qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il va falloir les observer. Tu vas prendre un carnet de notes et tu vas tout noter heure par heure. Ok. Leur emploi du temps. Surtout l'emploi du temps du mari. D'accord ? Ok, ça marche. Et après, on pourra agir. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et votre séjour à Dubaï s'est bien passé ? Très bien, très bien. Toujours l'invité dans ton portable. T'es pas mon grand-père, toi. Jean-Charles, un peu de respect, s'il vous plaît. Grand-mère, comment vas-tu ? Que veux-tu apporter, grand-mère ? Oh, merci ! Si tu me manques de respect, je te confie. Amuse-toi à faire ça, et tu auras offert à ma grand-mère. La piscine est-elle ouverte ? Oui, bien sûr, vous pouvez y aller, monsieur. Merci. Je vous en prie. Merci Marina pour l'info. C'est normal Robert. Et toi Pierre, comment vas-tu ? Moi ça va, maintenant mon père m'apprend les fêtes du métier. Ah c'est bien. Au fait, je voulais te dire, même s'ils sont ensemble, tu as toutes tes chances, c'est un cœur à prendre. J'espère que ce ne sera pas comme les dernières que tu m'as présentées. Là, je voudrais qu'on touche le magot là. Ne t'inquiète pas, elle est blindée. Tu as juste à enlever le mari du milieu. T'inquiète, mon père il a la solution. Ah. Et tu dis rien. Mais enfin, pourquoi veux-tu absolument lui faire visiter le domaine ? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ici, c'est le rhum qui sera distribué dans le monde entier. On continue la visite. Nous vendons tous nos produits dans cette boutique. Gin, vodka, pastis. Ce sont les chais. Voici l'embouteillage et tout ceci appartiendra à mon unique héritier, Jean-Charles. Quand je serai grand, je vendrai toutes les productions sur Internet. Vous savez, ma chère, vous n'avez pas fait le bon choix. Hélas, je sais. Vous savez, moi, je me vois très bien à sa place. Et merci pour cette visite. Alfred, plutôt que de rien faire, va t'occuper du compost. D'accord, Marina, j'y vais.
Alors fiston, quand est-ce que le mari est tout seul? À 21h, il sort fumer une cigarette et fait sa marche nocturne habituelle. Eh bien, on va faire ça ce soir. Ok. Hein? Regarde! Tu as averti madame ou pas? Je ne dirai rien. Je suis content de toi. On peut dire que tu as réussi ton apprentissage. 4 étoiles même. On les a enterrées tous les deux. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va profiter de l'argent de la vieille. Et quand elle va crever, il va falloir que toi, tu t'occupes de Jean-Charles. Parce qu'il ne faut pas que ce soit lui qui hérite. Il faut qu'on profite, nous, de l'argent. Tu peux compter sur moi. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde d'injustice. Cela arrivera toujours tant qu'il y aura un écart entre les riches et les pauvres. Moi, il a fallu que j'arrondisse mes fins de mois à cause de cette vieille radine qui me paye une misère. Un jour, il faudra bien rétablir un juste équilibre dans ce monde. Allez, ça tourne au son. Action! Merci, Ratiba, pour l'info. Non, tu t'es trompé, c'est Marina. J'ai dit qui? Ratiba.